Et bonjour à tous, excusez-moi le petit enrouage, c'est TGF et nous revoici pour la première vidéo de cette nouvelle session de TGF 67 Productions. Je suis vraiment heureux de vous retrouver, vous imaginez même pas tellement de temps ça m'a pris pour justement régler les soucis de son et de vidéo que j'avais à l'époque. Donc nous continuons donc ce let's play, enfin voilà, plutôt nous le recommençons puisque il y avait une partie qui est déjà commencée, donc on va comme il se doit péter ce tuyau et on va commencer. Donc ce jeu, sorti en 1993, excusez-moi, sur Game Boy, enfin Nintendo Game Boy, était un jeu assez surprenant, puisqu'en fait c'était le premier jeu réellement avec Wario. Wario qui est quand même le frère maléfique de Mario. Donc, le principe, c'est que Wario est un voleur. Et plus un voleur que quelqu'un qui va chercher à, on va dire, à s'occuper de l'orphelin. Donc c'est pour ça qu'il essaie de gagner, en fait, il essaie de gagner le plus d'argent pour récupérer, enfin, en fait, il veut récupérer une statue représentant Peach, donc la princesse de Mario, mais dans son monde, elle a été livrée, et justement, Wario est chargé de la récupérer auprès de Mario, qui lui a demandé, qui lui a dit, je te la donne si tu me fais ce boulot-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce jeu s'appelle Super Mario Land. Enfin, il y a Super Mario Land et c'est Wario Land en fait, c'est le troisième opus de Super Mario Land. Donc, j'essaie de me dépêcher quand même parce que ça fait hyper longtemps que j'y ai joué, donc bon, pour l'instant, le rythme a l'air correct, mais bon, faut voir combien ça va rendre. Putain, je sais plus ce que je voulais dire. J'essaie de me concentrer un petit peu. Et donc, ce jeu, franchement, a été l'un des premiers que j'ai joué en tant que gamer. Tout simplement parce que c'était l'un des premiers que j'avais essayé. On va dire à... Comment je peux expliquer ça? C'est un des premiers que j'ai commencé à jouer. Voilà, tout simplement. Quand j'avais vu ma Game Boy tout jeune, tout jeunot, bah justement, c'était le premier jeu que j'avais sur ma Game Boy. Donc c'était le premier jeu qui m'avait fait vraiment plaisir de jouer et de vraiment finir, parce que j'avais tout fini. D'ailleurs, pour info, le Let's Play se déroulera en plusieurs parties. Une partie par monde et nous continuerons ensuite auprès des différentes machines. Alors là, je vais vous montrer comment fonctionne le système de fin de niveau. En fait, il suffit de mettre une pièce de 10. Donc une pièce de 10 qui se trouve ici. Et en fait, jeter sur la serrure pour gagner en fait le niveau. Sachant que il y a plusieurs jeux, mini-jeux, mais on le fera un petit peu plus tard. Et donc vous avez une nouvelle 23 pièces, 23 pièces qui font 23 pièces. C'est logique. Donc, nous allons au stage 2. Excusez-moi, stage 2. Alors, stage 2 un peu différent, puisque là justement on est dans le premier monde. Donc c'est le monde de l'île de Ri, je crois. Ou plutôt des pirates de Ri, je sais plus exactement, je montrerai justement au prochain niveau. Et c'est le niveau de, on va dire, de connaissance du jeu, on va dire, très faible, parce qu'en fait c'est vraiment le premier niveau du jeu. Alors, faut pas que je meure quand même, ce serait dommage de mourir maintenant. Ce serait totalement dommage. Mais là ça me craint parce que je sens que je vais mourir. Oh, attends, ah, bien balle. Ah, mais je trouvais un truc normalement que je devais pas faire. Et là je suis vraiment heureux parce que c'est un truc que je ne connais pas. Que même si j'ai fini le jeu, je ne sais pas ce que c'est. Donc on va voir, hein. Peut-être qu'il y a un truc intéressant. Ah, un sac d'oignons. Sachant que Wario a plusieurs transformations différentes. Selon, on va dire, son niveau de puissance, on va dire. T'as le niveau là comme il est en rond avec le sac oignon. Et d'autres sacs, alors j'essaie de me concentrer. Parce que là c'est vraiment un endroit que je connais pas. Alors là, je vous dire, je suis jamais arrivé ici en tant que joueur. Hein. Évidemment, comme un con. Je suis vraiment très con, hein, mais bon, vous avez dû... Enfin, très con. Ça dépend comment on le voit. Donc, deuxième niveau. Ah, merde, mais c'est pas possible. Mais merde, c'est pas possible ça. Donc on continue. Voilà, on gagne la fleur qui nous permet de faire un jet d'acide, qui permet de virer des monstres, donc pour 10 coeurs. Hop, j'essaie de me concentrer. Voilà, on ne doit pas être très loin normalement de la fin du niveau. Voilà, il y a le petit, voilà, et hop, on y va. Toujours le même principe, O plus B, on libère la pièce et on y va. Attends, pam 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 pam.
Raté. Voilà. Mais vraiment, je vous imagine même pas comment je suis heureux de vous retrouver. Parce que franchement, 3 mois sans vidéo, c'est vraiment pourri. Je vais vous dire, moi j'ai vraiment... J'adore ce que je fais comme vidéo. Mais le souci, c'est que justement, tellement j'avais des gros soucis au niveau de la qualité vidéo, etc. Ça me permettait pas d'avoir des vidéos de qualité. Donc ça me faisait chier. C'est-à-dire que je me disais, mais merde, mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Et bon bah, par contre, je vous explique un peu le jeu, parce que depuis tout à l'heure, j'en ai en train de jouer. Et en gros, c'est un jeu où il y a deux sauts. Un saut contenant un sac d'or, un sac contenant un pot de 10 tonnes. Le sac d'or fait gagner le double de points, enfin le double de pièces que vous avez au départ. Et le poids de 10 tonnes, vous pouvez diviser par deux. Voilà. Donc je disais, les vidéos, franchement, ça me fait vraiment plaisir de me retrouver avec des vidéos. Là, j'ai fait une radia d'ailleurs. Mais franchement, je suis vraiment heureux de vous retrouver pour des vidéos parce que franchement, ça fait plusieurs mois que je me disais, mais merde, mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi ça marche pas? Et là, je peux vous dire, le fait que ça marche, qu'il n'y ait pas de soucis, etc. Franchement, vous imaginez même pas ce que ça me sert, quoi. Vous imaginez même pas. Voilà. Un petit ralentissement, ça arrive de temps en temps. On continue. Stage 3. Alors, comme je disais tout à l'heure, le Bledsley sera divisé en plusieurs parties, une par monde, et après pour tout ce qui est, on va dire, secret et trésor, nous nous occuperons d'une partie spéciale où nous aurons tous les trésors de tous les mondes. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Enfin, si vous comprenez ce que je veux dire, c'est tant mieux. Donc, on a essayé de se concentrer quand même pour pas rater les trucs. Alors, allez, appuie. Merde, c'est chiant. Parce qu'en plus j'ai changé de manette aussi, hein. C'est aussi un des trucs qui m'est arrivé pendant ces 3 mois. C'est vu que j'ai changé de manette, bah c'est un peu la merde pour voir un truc aussi précis qu'avec la manette que j'avais avant, c'est-à-dire une manette de Xbox 360. Là, on doit pas être très loin. Là, je sais pas où on est. Là, on est à la milieu du niveau, je pense. Ça va vous confirmer. Oui, je crois que je suis au milieu du niveau. Donc, on continue. Là, je sens trop qu'on va mourir. Je sens trop que je vais mourir. Non, allez, yes. Je vais me concentrer pour éviter de mourir, parce que ce serait con de mourir au premier niveau. Enfin, au premier niveau S, hein, bien sûr. Enfin, premier niveau, premier avec un S et X pour un niveau. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est bien, vas-y. Oh, merde, trop tard. Oh non, pas possible. Merde. Je vous avais dit que j'allais pas mourir. Mais non, mais c'est pas possible. Bon, on recommence. En étant non, mais c'est impossible, merde. Oh, mais là, je joue comme une brêle. Ça veut parce que ça fait très longtemps que j'y ai joué. Et franchement, je peux vous dire, quand on y joue depuis 2 semaines, en sans qu'on discontinue, ça va. Mais quand ça fait 3 mains qu'on n'y joue pas, c'est vrai que ça fait un peu mal. Surtout avec une manette qui est un peu plus difficile à manier. Comme celle de la Xbox 360. Enfin, comme celle que j'ai en ce moment par rapport à celle que j'avais auparavant. Là, on doit pas être très loin du milieu du niveau. Milieu du niveau. Mais non! Mais ça vous dit pourquoi il m'a la Jeremy? Pourquoi? Merde! Oh, mais c'est pas possible d'être aussi con. Allez, on se concentre. On se concentre. Ce serait dommage de faire un game over, hein. C'est parce qu'il y a aussi un game over dans le jeu, bien sûr. Je l'ai réussi une seule fois dans toute ma vie de gamer. Et c'était en enregistrant la deuxième partie qui n'a pas vu le jour, puisqu'en fait, elle n'était pas bonne. Mais j'étais arrivé à un game over. Va m'expliquer comment. En tout cas, ça m'avait vraiment dégoûté. Moi, ça m'avait pas dégoûté de faire des vidéos, mais ça m'avait dégoûté justement d'arriver à un game over, alors que je n'ai jamais arrivé à ce game over. Ça peut se comprendre. Alors, je sais me concentrer. Allez, c'est faudrait quand même que j'y arrive, hein, allez. Allez, vas-y, saute à nouveau. Allez, yes. Et normalement, on est à la fin du niveau là, dans peu de temps.
Allez, j'y arrive, attention, attention, attention. Allez, allez, allez. Allez. On n'est pas loin, allez. On est à la fin. Non mais, oh, mais non, je vais pas appuyer sur B, moi. Enfin, oui, je veux juste avoir la pièce, voilà. Et enfin, putain, deux ans pour ça, quoi, c'est pas possible. Faudra vraiment que j'améliore mon skill. Mais bon, vous savez que mon skill est pas... des fois, est un peu buggé. Donc on a 17 pièces, en plus des 103 pièces qu'on avait gagnées auparavant, ce qui fait un total de 120 pièces. Niveau 4, alors niveau 4, un niveau super là. Tout simplement parce que nous allons être poursuivis. Allons-y. Oh mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc en train de poursuivre? Bah oui, parce qu'en fait il y a un gros... en fait il y a une sorte de... comment ça s'appelle? Je sais pas comment expliquer ça. Une sorte de bonbon ou de... je sais pas comment on appelle ça sur le monde de Mario. Qui est en train de nous suivre et si on le touche une seule fois, on est mort. On peut absolument rien faire et en plus... vu que c'est à moitié du scrolling, parce qu'en fait on doit attendre à chaque fois le womp pour avancer, puisque surtout là au moment où on a la lave, on est obligé d'attendre le womp qui normalement devrait arriver en peu de temps. J'adore comment il fait comme ça quand tu vois. En plus les yeux, on dirait que les yeux louchent, donc c'est assez marrant aussi. Allez, allez, enfin. Pam pam. D'ailleurs, je vous dis, les musiques sont pas mal non plus pour un jeu de Game Boy. Hein. C'est vraiment... bon, tu vas me dire, c'est un jeu sorti en 93. Mais franchement, le jeu n'est vraiment pas mal au niveau de la bande sonore. Au niveau de la jouabilité, quoi. C'est-à-dire que la jouabilité est pas si mauvaise que ça. Alors, j'essaie de me concentrer, allez. On continue. Là, c'est les passages chauds. Tout simplement parce qu'il suffit que tu meurs une seule fois, que tu réussisses une seule fois à bugger, et tu n'y arrives pas. Et non, c'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Ça peut se faire si je me débrouille bien. Allez, vite, 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 allez, allez! J'essaie de me concentrer là, parce que là, je sais que. Il suffirait que d'un seul truc pour que justement je meure. Et ce serait dommage. Et enfin, nous sommes arrivés à la fin, là, donc là, voilà, on va gagner 10 pièces en faisant tuer ce petit ennemi. Et nous arrivons à la fin du niveau. Et ouais, c'est déjà la fin. Bon, là, ça a été assez tranquille. Je peux vous montrer le deuxième jeu pour l'instant, puisque je n'ai pas assez de pièces, puisqu'il faut au moins 20 pièces pour accéder à ce jeu-ci. Donc, nous gagnons 17 pièces encore à nouveau. 137 pièces. Et maintenant, le niveau du boss. Puisque la tête de mort veut signifier qu'il y a un boss. Et le boss sur la plage de riz, c'est pas n'importe quoi. Allons-y. Vous voyez que la musique a déjà changé. Hein. C'est vraiment une musique de boss. Vraiment une musique assez, on va dire, tu dis, c'est important si cette musique a changé. Alors, je vais me concentrer. Voilà. J'essaie vraiment de me concentrer pour éviter de me faire mourir. Parce que, ça, regarde là, justement, faut vraiment faire attention. Parce qu'avec les. Là, faut faire attention. Voilà. On continue. Allez, on se dégage. Yes. Là, c'est. Voilà, on continue. Je m'en fiche. Allez. Yes. Mini-niveau. Déjà. Oui, parce qu'en fait, il y a un checkpoint de mini-niveau qui lui aussi a besoin de pièces pour revivre, en fait. Comme vous voyez, il y a toujours la serrure avec la pièce. Enfin, la serrure de pièces, justement, pour justement dire qu'il faut insérer une pièce à cet endroit-là pour sauver au niveau, enfin, pour sauver sa progression. C'est ça qui est vraiment important, c'est que l'argent est vraiment un des points importants du gameplay. Notamment, justement, au niveau des différentes possibilités qui existent. Donc là on va pas être très loin du boss si je me rappelle bien parce que ça fait quand même assez longtemps que j'y ai joué. Donc on gagne 3 cœurs et normalement à la prochaine porte je crois qu'on y est. C'est le boss. Et le boss de ce niveau, il s'agit d'une tortue. Donc ça c'est simple, il suffit juste de taper et d'éviter. Attention, wouhou, youhou, youhou. Yes, voilà, deuxième niveau. Même 3. J'ai réussi à faire 3 sans que je veuille.
Parce que normalement c'était pas comme ça qu'on devait le battre, mais bon. Là normalement. Et 169 pièces, c'est super. C'est super. Voilà, donc 169 pièces. Et qu'est-ce que je fais? Je vous montre le deuxième mini-jeu. Non, je vais vous montrer au prochain épisode. Puisque c'est déjà la fin de notre épisode avec un total de pièces de bientôt 300 pièces. Si je me trompe pas, je vais être 230 pièces, 306 pièces exactement. Et donc, Wario a battu la plage de riz. Et se retrouve ensuite au Montéhier, le mon petit pote. Et ça n'a rien à voir avec mon petit pote, hein, ça n'a rien à voir. Donc, on se retrouve dans une semaine pour le prochain épisode de ce Let's Play. Et je suis vraiment heureux de vous retrouver. Vous imaginez même pas comment ça a été difficile pendant ces 3 mois. Donc, on se retrouve dans une semaine pour, même avant, pour le deuxième épisode sur le mon petit pote. Et on va voir si le mon petit pote, c'est des potes.